Ouais, salut tous. Ouais, comme vous pouvez le voir, je remonte le carton côté conducteur. Et puis ben, j'en profite pour changer les bagues de tringlerie. Là où j'avais vraiment pas accès quoi, avec le karma qui me gênait, puis au-dessus c'est vraiment la merde. Avec l'ABS et compagnie. Donc là. On a un tout beau tout neuf que je vais mettre. Je vais en chier pour le mettre d'ailleurs. Faut que je le mette à la pince. Voilà. Putain, je fais tout tomber. Là. Et l'ancien, il n'y a même plus la gorge là en haut de course. Complètement défoncé quoi. Voilà. Donc oui, c'est. Faut en profiter tant que le cardan était descendu. Faut en profiter pour changer ça. Il y a du petit genre de petit coussinet là, pareil. C'est des petits coussinets en mousse. Hein. C'est qui le truc? Merde. Bon après. Non, c'est pas grave. Dégoupiller le truc. Ah, je vais vous montrer. Allez. Non, voilà le petit truc. Pareil, on va mettre un petit coup de nettoyage. Ça se dégoupille foutu comme ça, quoi. Juste à mettre un petit coup de touc, petit coup de tournevis, hein, juste pour le déboîter. Puis après, vous poussez gentiment. Pour le dégager de la petite boule quoi, le dégager gentiment, le coulisser comme ça, et là vous aurez accès comme ça vous aurez accès pour l'autre côté pour dégager le frein quoi en gros, puis hop, dégoupiller pareil, profiter après par retirer ça, le nettoyage, puis foutre le joint là. Nouveau joint, nouveau machin truc, et puis là pareil. Bon, là c'était fait de toute façon. De l'autre côté, ça a été fait je sais plus quand là, il y a 2 ans. Voilà. Bon, bref, voilà en gros. Profiter pour changer ça quoi. Bon, voilà, il y a un peu plus de soleil. On voit bien la bague dentelée. Qui est conique. Bon, elle n'a pas bougé là, celle-là. Elle n'a pas bougé. Bon, bah, je refous le machin et puis j'enquille le truc. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Ouais, ciao, ciao à tous.